180? Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Oui, je suis content de vous voir. Je m'appelle David Chouinard, je suis un des pasteurs ici. Régime protéiné, partie numéro 6. C'est ce qu'on voit ce matin, la suite de notre série qu'on a commencé sur Colossiens. On a commencé à regarder cette série qui nous emmène à réfléchir et à considérer justement un régime protéiné au sens spirituel. Comment grandir, comment prendre cette croissance que Dieu veut pour nos vies, que Dieu veut qu'on ait pour être de plus en plus fort. Et puis, ce matin, on voit évidemment la suite des dimanches précédents. Je vais faire la suite ce matin, mais particulièrement aussi, dimanche passé, on a commencé un texte. Et puis, on va continuer la deuxième portion de ce texte-là de Colossiens 2. Et on va ajouter aussi quelques versets. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse faire un petit résumé. Pour ceux qui sont amateurs de séries, vous voyez des fois précédemment dans Régime protéiné. Alors, je ne sais pas, précédemment dans selon vos traditions de séries. On a regardé ce que Paul avait fait avec les Colossiens. Il avait écrit cette lettre-là pour les encourager. Et puis, il leur dit, quand il s'adresse à eux, on regarde le début de la lettre, on voit que Paul leur dit, ben, tu sais, je suis dans la joie là, quand je pense à vous, quand que je regarde votre cheminement, je vois comment est-ce que vous grandissez, je vois la ferveur de votre amour, je vois votre attachement à Jésus-Christ. Et Paul, il y a plein de commentaires positifs pour les gens qui sont des croyants à Colosse. Et puis, il veut les encourager. Maintenant, Paul, on a vu que dans sa lettre, et puis dans lequel on regarde un peu l'aspect historique de où ce que l'apôtre Paul, qui est l'homme qui est en train d'écrire à cette église-là à Colosse, qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais Paul, étant un apôtre, est en train de se promener dans plusieurs villes, dans plusieurs endroits. Il ne peut pas être partout à la fois. Et là, il regarde en arrière les Colossiens, puis il dit, ben, moi, je suis en train de livrer un combat. On voyait la semaine passée que combat, le mot original, agonizomai, le mot est reflète bien que c'est quelque chose qu'il livrait avec ardeur, quelque chose qui était une urgence pour lui à livrer ce combat-là pour la croissance de notre foi, la croissance de la foi des croyants qui étaient à l'époque, dont l'Église qui était à Colosse. Alors Paul, il va écrire aux Colossiens en leur disant, « Mais je suis super content, je vois votre foi, je vois votre ardent amour, mais étant indisponible, pas de pouvoir être avec vous, je suis en train de livrer un combat, je veux m'assurer que vous soyez suffisamment fort pour que vous aussi, vous alliez d'avant. » Pour que, bien que ce que vous vivez présentement est super et puis que votre croissance elle est bonne, c'est important que vous vous fortifiez. Je ne pourrais pas toujours être là pour vous défendre, pour prendre soin de vous, pour vous dire c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais, mais il faut que vous-même, vous deveniez des gens de plus en plus grands, de plus en plus forts. Je disais la semaine passée qu'une des exhortations, un des commandements que Dieu donne dans sa parole, dans la Bible, c'est « fortifiez-vous ». Prenez courage. Se fortifier de prendre courage, c'est particulier quand on pense à ça, parce que le désir de Dieu, c'est qu'on soit de plus en plus grand, de plus en plus fort. Des fois, on va prier, Dieu, donne-moi la force. Mais Dieu nous dit, mais prends ta force, fortifie-toi. Et évidemment, tout cela, d'où ça vient cette force-là? D'où ça vient cette croissance-là? Si Dieu me dit, mais fortifie-toi, mais comment je deviens un homme ou une femme, selon Dieu, qui est de plus en plus grande et de plus en plus mature en Dieu, et prendre courage aussi. Alors, c'est cet aspect-là que je veux que l'on voit ce matin. Dieu qui nous dit, fortifie-toi, prends courage, mais il nous dit cette invitation-là aussi. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite ce matin. Viens puiser tes forces en moi. Viens puiser tes forces en Jésus. C'est là qu'on va trouver nos forces, c'est là qu'on va trouver tous les ingrédients nécessaires, c'est là qu'on va trouver toutes les protéines nécessaires pour que notre croissance soit efficace, qu'elle soit bonne et qu'on devienne de plus en plus mature. Mais on a vu la semaine passée aussi qu'il y avait des pièges à éviter. Et deux de ces pièges-là, c'est penser que plus on mange, plus on est en santé. Je ne vais pas réexpliquer longuement, mais cette pensée qu'il est suffisant de manger pour devenir en santé, sans penser qu'aucun exercice est nécessaire. En faisant le parallèle spirituel, bien, ce qu'on découvre, c'est que c'est bien beau d'avoir une connaissance des Écritures, une connaissance de Dieu, mais ce que Dieu nous dit, c'est que ce qu'il va faire, qu'on va grandir et qu'on va prendre de la force, bien, c'est quand on va se mettre à s'exercer, c'est quand on va se mettre à vivre ce que l'on a entendu aussi. Puis le deuxième piège à éviter,
persévérer dans la facilité. On voyait le danger que finalement, on commence, on emboîte le pas dans la vie chrétienne, on emboîte le pas une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, qu'on a reçu sa vie, et que là, à un moment donné, il y a des choses qui changent. À un moment donné, on finit par dormir au gaz, parce qu'on finit par se tiédir, et puis ça ne bouge plus, et ça avance plus. Alors, c'était un danger ou un piège qui nous guette. Et je reviens sur cette invitation que Dieu nous dit ce matin. Pour poursuivre avec les éléments de comment puiser sa force en Dieu. Comment puiser sa force. Regardez ce qu'on va voir ce matin. Puiser sa force en Dieu, ça se fait comment? C'est comment on doit avoir, quelle attitude est-ce qu'on doit avoir pour aller chercher sa force en Dieu? C'est quoi les exercices qu'on va faire? C'est quoi que ça veut dire concrètement aller chercher ses forces en Dieu puis de devenir justement de plus en plus mature à la stature parfaite de Christ? Et on va conclure avec le pourquoi. Normalement, on commence toujours avec, quand on a un discours, on commence toujours avec le pourquoi, le comment, ensuite le quand. Mais ce matin, je vais suivre tout simplement le texte qui nous est présenté et on va conclure avec le pourquoi à la fin. Donc, je vais revenir tantôt pour le pourquoi. On va voir les deux premières parties au tout début comme ça. Puis je vais revenir tantôt tout simplement pour conclure la question du pourquoi pendant la louange après le chant Hosanna. Puis on va réfléchir à pourquoi est-ce qu'on trouve nos forces en Dieu? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller puiser nos forces en Dieu? Donc, ça, c'est le plan de match pour ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. OK. On va prier ensemble et après ça, on va regarder ce que la parole dit. Dieu, on te loue pour te dire que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es puissant. Tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous voir s'épanouir. C'est pour ça, Dieu, que tu t'es partagé à nous, que tu t'es donné à nous, pour qu'on puisse te rencontrer, qu'on puisse te célébrer, qu'on puisse t'admirer. Et Dieu, on veut voir ton image se produire en nous. On veut voir que tu vas grandir et que nous, on va diminuer. Dieu, conduis-nous dans ta parole ce matin. Convainc-nous, chacun d'entre nous, avec ta parole. Convainc-nous avec ton esprit. Viens nous enseigner selon ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Colossiens 2. Je vais lire les versets 6 à 10. Colossiens 2, les versets 6 à 10. Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez en riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, les vaines déceptions, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Viens puiser tes forces en Dieu. Viens puiser tout ce que tu as besoin dans ton régime protéiné, dans la personne de Dieu. Mais maintenant, avec quelle attitude? Et on avait vu justement la semaine passée cette première phrase qui nous est donnée, « Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ. » C'est le point de départ, c'est le comment, quelle attitude est-ce que Dieu veut que l'on ait? Comment est-ce qu'on va vivre notre vie au jour le jour, à chaque jour, avec cette marche que l'on a avec Dieu, puis notre croissance que l'on a avec Dieu? Je disais tantôt de venir puiser ses forces en Dieu. Imaginez justement l'image d'un puits où c'est plus très, en tout cas, c'est pas nécessairement vraiment notre contexte québécois, là, un puits où on plonge une chaudière dans un puits, là, parce qu'on imagine que ça serait gelé quelque part dans le processus que la chaudière descend. Mais si on descend une chaudière pour aller chercher l'eau, dans le fond, pour aller puiser ce qu'on a besoin, mais que cette chaudière-là, elle est percée. Que cette chaudière-là, elle est rouillée, elle est défectueuse, on n'est plus capable de la remonter, ou qu'on n'a tout simplement pas de chaudière, puis qu'on descend la corde, mais on va avoir de la misère à remonter ce qu'on a besoin pour s'abreuver, ce qu'on a besoin pour refaire nos forces, pour prendre nos forces. Mais l'attitude que l'on a,
C'est-à-dire la façon qu'on a accueilli le Seigneur Jésus-Christ, cette attitude-là qui se vit et qui se renouvelle à chaque jour, c'est un peu comme l'image de cette chaudière-là qui nous permet justement d'aller puiser en Dieu pour être ressourcés. Quand on a reçu le Seigneur Jésus, j'aimerais ça que vous vous plongiez à cette époque-là, à ce moment-là, que ça fasse loin ou moins loin, puis que vous vous souvenez de ce que vous avez reçu. Quand que Dieu s'est présenté à vous, ce qu'il vous a offert, c'est que le Père vous a offert son Fils. Suivez bien ce que je vais expliquer dans l'idée de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est les éléments de ce que c'est l'Évangile. Le Père, il vient à toi et il dit, « J'ai quelque chose à t'offrir. J'ai quelqu'un à t'offrir. C'est mon Fils. » Et ça, c'est sur la base parce que je t'aime. Parce que je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. Que tu ne peux même pas quantifier, que tu ne peux pas peser. Et je t'ai tellement aimé que je t'ai donné mon Fils unique. Et quand on a reçu justement le Seigneur Jésus, on a compris que ce que Dieu nous offrait, c'était la vie, qu'il nous offrait sa vie. Que Jésus, en venant à nous, il nous offrait sa vie, qu'il se sacrifiait pour nos vies, qu'il nous offrait son amour. Ce qu'on a compris aussi, c'est que c'était notre état. Parce que Dieu nous a dit, ben, à cause du péché, à cause du mal qui est enraciné en toi, tu as besoin d'être délivré de ça. Tu as besoin d'être sauvé de ça. Le mal dans lequel tu es présentement puis que tu ne peux plus t'en sortir, puis les conséquences que tu vis présentement reliées au mal, je veux t'en sauver, je veux t'en délivrer. Et pour ça, tu as besoin que j'intervienne. Et là, on se tourne vers Dieu et ce que Dieu nous dit, c'est « Je suis prêt à te pardonner. Je suis prêt à te transformer. Je suis prêt à le mal, le péché qui est dans ta vie, là, à l'enlever puis les chefs d'accusation qui pèsent sur toi. » À cause du mal, à cause des crimes, à cause du péché. Je suis prêt maintenant à supprimer cet acte-là qui te sépare de moi. Je suis prêt à te pardonner, à te justifier, à donner ma justice. Je suis prêt à te donner mon obéissance, parce que je sais que tu vas avoir de la misère à marcher. Mais mon Fils qui a marché sur la terre, je vais te donner son obéissance. La justice que mon Fils a eue, qu'il est parfait, qu'il n'a jamais péché, je vais te donner sa justice. Je vais te donner sa sainteté. Ça, c'est ce que Dieu t'a offert quand il s'est présenté à toi. C'est ce que Dieu t'offre ce matin en se présentant à toi. Je suis prêt à transformer ta vie. Je suis prêt à transformer complètement ta vie par ce sacrifice-là que je te donne de mon Fils. Mais quand on se reporte au moment où on a compris ça, on a reçu quelque chose. Et ça a créé en nous cet émerveillement-là. Ça me fait penser, justement, que je poursuive à deux, trois exemples que j'avais, qu'on a dans la Bible. À un moment donné, Jésus, il se promène, il traverse un lac, et puis il arrive au bord d'un lac, puis il y a un homme qui est possédé de démons. À un point tel, il y a tellement de démons en lui qu'on va l'appeler Légion. C'est un peu de même que le démon lui-même se présente. On dit, on est nombreux, on s'appelle Légion. Et Jésus, pour faire l'histoire courte, finit par chasser ces démons-là, les envoie dans le cochon, et puis cet homme-là est complètement délivré, complètement libéré. Et là, il va dire, Jésus, moi là, je veux te suivre partout, là. Je veux aller n'importe où. Je veux entendre tes discours, je veux voir ce que tu vas faire. Puis Jésus lui dit, non, retourne dans ta maison et dis ce que Dieu a fait pour toi. Le gars retourne dans sa maison et il ne se contente pas de sa maison. Puis en fait, il retourne dans son village puis il crie à tout le monde ce que Dieu a fait pour lui, là. Il capote ben raide en québécois. Lui, là, il est en train de raconter puis de dire ce qu'il a vécu cette journée-là. Il est immergé. D'une libération, il est libre, il est délivré. À un moment donné, une autre histoire, Pierre et Jean, c'est après la résurrection de Jésus. Jésus est reparti au ciel. Pierre et Jean s'en vont au temple. Il y a un homme qui est là depuis des années, qui est boiteux, qui ne peut pas marcher. Et puis, Pierre regarde cet homme-là, et il dit, « J'ai pas d'argent à te donner, parce que cet homme-là est en train de mendier. Mais ce que j'ai, je te donne le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Le gars, il se lève d'un bond, puis il se met à marcher. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, si vous connaissez la suite, mais ce qu'il fait, c'est qu'il s'en va dans le temple, sautant, chantant, et il rebondit partout, là, comme Tigrou en Winnie the Pooh. Il rebondit partout parce que là, il est délivré, là. Il est délivré de son handicap. Mais cette même réaction, et c'est plus qu'un état physique de ce que Dieu nous a délivré quand on l'a reçu, mais ça crée en nous une délivrance. On est immergé de son amour. On est immergé que Dieu, tu,
tu me donnes ça, puis je ne le mérite pas, là. Puis en plus, tu es prêt à me le donner jour après jour, ta faveur, ta grâce. On est immergé de ton amour, on est léger comme l'air, parce que tout d'un coup, notre fardeau, quand il nous a dit « je suis prêt à le prendre », puis on lui donne, on devient léger. On devient comme si on vient de renouveler quelque chose qui nous fait vivre. C'est ça que Dieu veut qu'on ait comme attitude, puis qu'on renouvelle chaque jour. Quand que Dieu nous dit, la façon que vous avez reçu le Seigneur, si tu veux remettre, s'il te plaît, le début du texte, ainsi donc que vous avez accueilli le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Ce moment-là, ce que je veux nous conduire ce matin, c'est plus que de se souvenir de ça. C'est de revivre et de renouveler cet engagement-là avec Dieu, ce sentiment-là avec Dieu, d'être immergé de son amour, de se souvenir de ce qu'il fait, de revivre l'Évangile à chaque jour. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être sauvé à nouveau à chaque jour, parce qu'à partir du moment qu'on est devenu un enfant de Dieu, on lui appartient. Mais maintenant, notre vie quotidienne, notre vie à chaque jour, comment est-ce qu'on fait pour grandir? Comment est-ce qu'on fait pour devenir à la stature parfaite de Christ? Est-ce que c'est uniquement basé sur le fait que je me souviens qu'un jour Dieu a fait quelque chose dans ma vie? Où je me souviens qu'encore aujourd'hui, et tantôt puis demain, Dieu va intervenir dans ma vie. Dieu va me transformer et je veux goûter encore son amour, le fait qu'il m'a donné son Fils, le fait que je peux découvrir la vie en Jésus-Christ, le fait que je peux être encore transformé, le fait que sa grâce me suffit à chaque jour. C'est ça qui va te rendre fort. C'est ça qui va te transformer. C'est plus que de se rappeler, c'est de se souvenir. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle aussi plusieurs vieux chrétiens vont s'atrophier. Parce que ça demeure uniquement qu'un souvenir. À partir du moment où on ne voit plus la grandeur de Dieu au quotidien, à partir du moment où on néglige que la grâce de Dieu, elle est bonne pour moi, elle est nécessaire à chaque jour, et qu'on néglige ça, puis qu'on réalise, on dit à un moment donné que j'en ai plus nécessairement besoin, qu'on oublie l'amour que Dieu a pour nous à chaque jour, qu'on oublie le pardon de Dieu et de revenir à lui pour confesser et puis de dépendre de lui. À partir du moment où ce que notre confiance est en train de s'effriter, à partir du moment où ce que c'est de plus en plus par mes forces et que je suis de plus en plus content de ce que j'accomplis et de ce que je fais, à partir du moment où ce que je suis en train de perdre mon zèle, à partir du moment où ce que j'oublie que je suis pardonné, justifié, sanctifié, glorifié, à partir du moment que je ne suis plus en train de vivre l'Évangile, que je suis plus en train de garder cette attitude de comment j'ai accueilli le Seigneur Jésus-Christ, pour moi encore aujourd'hui, je suis en train tranquillement, pas vite, de m'atrophier. Je faisais beaucoup de parallèles avec l'exercice physique versus l'exercice spirituel. Dieu étant le Créateur tant de notre corps que de notre âme, de notre esprit, je suis convaincu qu'il y a des parallèles qui se transposent. Il n'y a aucune personne qui a fait un conditionnement physique jusqu'à aujourd'hui qui peut dire « maintenant, je suis suffisamment en forme pour m'asseoir et écouter la télévision, puis je vais rester dans cet état-là. » On sait très bien qu'à un moment donné, notre santé va tranquillement, pas vite, s'effriter s'il n'y a aucun exercice qui est fait. La même chose pour notre âme. Si on est en train de s'atrophier, puis on est en train d'oublier finalement la façon qu'on a reçu le Seigneur Jésus, puis le renouveler à chaque jour. Ça, c'est le comment, c'est l'attitude que l'on a besoin de se souvenir. Comment est-ce qu'on a reçu le Seigneur Jésus? Et de vivre encore à chaque jour, souvenir de son amour, que Dieu t'aime. Que Dieu te dit, ma grâce te suffit. Que Dieu te dit, je suis prêt à te pardonner. Quand tu confesses tes péchés, je vais être fidèle et juste, parce que je te l'ai promis. Et de vivre encore cet évangile à chaque instant. Mais le deuxième aspect, que Dieu nous dit, viens puiser tes forces, mais maintenant ça se fait comment ça? Ça se vit comment? D'aller puiser ses forces en Dieu. Je disais tantôt, ça commence premièrement avec une attitude, mais c'est quoi les éléments qu'il faut faire juste? Si on peut revenir au texte, on va relire les versets 6, 7 et 8. Vous allez voir, j'ai mis quelques mots en gras qui se trouvent finalement à être les impératifs qui sont là. Marchez en lui. La façon que vous avez accueilli, la même façon que vous avez commencé là, puis que vous répétez cette attitude-là à chaque jour, maintenant, aujourd'hui, mais
Marchez en lui. 1. 2. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, tel que vous a été enseigné. 3. Soyez en riche en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Et le verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège. Je vais relire tantôt ce verset-là. Mais la première chose que Dieu nous dit, c'est marcher en lui. J'ai apporté deux snips que j'ai utilisés, que j'utilise encore. À un moment donné, il y a quelques années, je m'étais acheté ce soulier-là pour aller me promener, pour faire peu importe, de randonnée en forêt, faire un petit peu de jogging des fois avec. Et puis, rapidement, après quelques jours, je me suis fait avoir des gros problèmes dans les genoux, dans les hanches, j'avais de la misère à marcher. Je faisais à peine rien, là, à peine une marche avec ces souliers-là, puis je me retrouvais parce que ça n'allait pas du tout. Là. J'étais obligé carrément d'arrêter de marcher, pendant même marcher pendant un certain temps, parce que mes genoux étaient trop douloureux. Et puis, mais avant que je réalise que c'était mes souliers qui me faisaient mal, je ne comprenais pas c'est quoi qui se passait. Je me dis, j'ai-tu un problème, j'ai-tu une maladie, je me surmène, pourtant c'est pas, je m'en fais pas si pire que ça. Et jusqu'à temps que je comprenne que j'essaye avec une autre paire de souliers, puis que je réalise que le problème ne se répercutait pas, par exemple, avec cette autre paire de souliers-là, qui est très similaire, mais très différent, qui m'amenait finalement à être beaucoup plus. Avec pas de conséquences si je devais marcher ou fourrir avec, contrairement à la première paire de souliers. C'est quoi le lien avec ce qu'on est en train d'apporter? Dieu, il nous dit, mais de la même façon que vous avez accueilli le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est un peu bizarre comme expression de marcher en Dieu, parce que on pourrait regarder, mettons, des grands héros de la Bible. On a, par exemple, Enoch. Enoch, ça dit, c'est un verset court, on parle de Enoch au tout début de la Bible, qui marchait avec Dieu, puis à un moment donné, il était enlevé. Dieu l'a enlevé. On a très peu d'histoire, mais j'ai hâte de rencontrer Dieu. Dieu, explique-moi c'est quoi l'histoire d'Enoch. On sait qu'il marchait avec lui. Ça, c'est quand même pas pire. Puis après ça, on arrive dans Genèse 6, puis là, on voit Noé, par exemple. Puis là, il y a un autre bout de phrase qui est là, ça dit Noé marchait avec Dieu. Il y avait des gens de sa génération qui faisaient, étaient pervers, toutes sortes de choses, mais Noé marchait avec Dieu. On arrive à Abraham, Dieu l'interpelle, il l'appelle, il dit suis-moi, puis on va marcher ensemble, je vais marcher devant toi. On arrive à Moïse, puis là, Dieu dit, Moïse, je vais t'envoyer, tu vas aller délivrer mon peuple. Puis là, Moïse, il dit, là, son en disant, puis Moïse, il dit, ben, si c'est pas toi qui marches devant nous, c'est pas toi qui marches avec moi, moi, je suis fait, là, j'ai rien à faire, là, je suis pas capable. On arrive à Josué, un autre homme de la Bible, un grand homme, il arrive à Jéricho. On a l'ange qui est là, puis qui dit, je suis l'ange de l'armée de l'Éternel, et puis je vais marcher avec vous, je vais vous défendre, je vais être présent avec vous. On a ces grands héros, on a ces personnages de la Bible, qu'on voit qu'ils ont marché avec Dieu. Et qu'est-ce que ça a produit aussi en eux? Je pourrais citer par exemple Michée 6:8. On te fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu nous appelle à marcher avec lui, à marcher en sa présence, à marcher. Et l'idée de marcher avec Dieu, c'est de suivre son conseil. Psaume, par exemple, va dire « Marchez pas, heureux l'homme qui ne suit pas le dessein des méchants ou qui ne marche pas selon le dessein des méchants. » Donc, c'est l'idée de conduire, de suivre, de s'approprier la direction que Dieu donne pour le suivre. Mais je crois qu'on arrive même à une coche plus loin pour nous aujourd'hui. Même encore plus loin que ces grands héros-là, où l'appel que Dieu nous donne, c'est « Marcher en Dieu ». C'est que c'est plus que même que d'avoir Dieu qui marche avec moi. C'est que je suis en train de revêtir cette paire de souliers. Mon exemple n'est pas parfait, évidemment, là, comprenez-le bien. Là. Un peu comme, à place de traîner Dieu avec moi, parce que des fois, on dit, OK, c'est quoi marcher avec Dieu? Là? Bon, tout à coup, des fois, on prend des chemins différents. Tout à coup, des fois, que lui veut passer là, puis moi, je veux passer là. Puis, c'est pas toujours évident. Je veux suivre sa direction. Mais l'idée de marcher en Dieu, Paul il dit aux Colossiens, le mystère de tous les temps que les gens ont voulu connu de toute génération, puis que vous, maintenant, vous pouvez comprendre, puis que c'est à vous de le vivre, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Il va dire aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a maintenant une relation qui est parfaite, qui est complète, et que pour aller puiser nos forces en Dieu, c'est de dépendre de Dieu, de s'appuyer sur lui, de revêtir cette... Il n'y a rien qui ressemble plus à une paire de souliers qu'à un autre. Hein?
Regardez, on allez au verset, si tu permets le texte, s'il te plaît, Karine. Regardez le verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. Ce que Paul va dire ici, là, au verset 8, c'est qu'il dit faites attention à la paire de souliers que vous allez mettre, qui vont vous blesser, qui vont vous affaiblir, qui vont vous rendre malade, qui fait que vous allez être encore en pire condition qu'en meilleure condition. Un peu comme ce soulier-là que je mettais, puis que je pensais qu'il allait m'offrir des jours heureux, puis qui finalement m'a offert plutôt des problèmes, des complications. Mais quand que lui, il va arriver au verset 8, il dit faites attention! Parce que ça ressemble à un bon soulier. Mais je pense que ça en est des quand même pas plus, là, des Salomon. Là. Mais pour moi, ça ne fait pas. Peut-être que je vais profiter pour vous autres. Là. Mais là, c'est pas la même application. Là. Mais l'idée, c'est que ce que lui va dire, c'est vous allez vous faire proposer toutes sortes de belles choses. On va vous proposer de mettre à vos pieds, de marcher avec certaines philosophies, avec certaines doctrines, avec certaines traditions. Regardez, je vais finir de le lire. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie des vaines déceptions, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est toutes sortes de choses qui vont vous être proposées, mais qui ne sont pas appuyées sur Christ. Marchez en lui. Parce qu'il va y avoir des tromperies, il va y avoir une idée de philosophie, c'est pas que vous devez abandonner vos cours de philo, là, c'est pas ça du tout. Mais une philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Bien que je sais que vous êtes tenté d'abandonner ces cours-là, là, c'est pas ça le point. C'est l'amour de la sagesse. C'est de dire, OK, il y a des gens qui ont des beaux discours, puis Caroline, ça a l'air vraiment sage, ça a l'air intelligent, ça a l'air pas pire, et puis peut-être que je devrais considérer ça. C'est tellement bien articulé, et puis maintenant, on s'est perdu dans l'image. Et puis, hey, oh. Puis là, finalement, on réalise que c'est des tromperies sans fondement, c'est vraiment l'idée d'une image, justement, qui ne s'appuie que sur la tradition des hommes. Je ne vais pas trop élaborer parce qu'on va arriver dans Colossiens 3, et puis il va y avoir cette confrontation-là qui va être dit. Ben, on vous impose toutes sortes de règles, toutes sortes de choses, toutes sortes de traditions humaines. Puis ça, là, ça ne vous fortifie pas. Ça ne vous aide pas. Ça vous rend malade. C'est des pièges. Soyez attentifs aux pièges qui peuvent vous être présentés. Revêtez les bons souliers. Marchez en Jésus-Christ. Suivez-le. L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et puis s'il tombe, Dieu lui tend la main. C'est une coche de plus que l'on a pour nous aujourd'hui, pour nos vies, où ce que on marche en Dieu, et il est celui qui nous habite, celui qui nous revêt. Si on avait reculé, par exemple, dans Éphésiens, juste Éphésiens, les chapitres 4 et 5, moi je sais ça pour... Okay. Les chapitres 4 et 5, à 6 reprises, le mot « marcher » revient. 6 reprises, puis c'est le même auteur, c'est Paul qui a écrit aux Éphésiens, une autre église, mais il dit à 6 reprises, marchez. Par exemple, marchez d'une manière digne du Seigneur, marchez dans la justice, marchez dans la sainteté, marchez dans l'amour, marchez dans la lumière, marchez avec sagesse. C'est de se conduire, c'est synonyme de conduite, la façon qu'on se conduit. Quel pas est-ce que Dieu te demande de faire maintenant? Marcher en Dieu, c'est de le croire, de lui faire confiance. Pas de dire, à un moment donné, j'ai fait un step, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, mais aujourd'hui, tu veux te fortifier. Tu allais puiser tes forces en Dieu. Et tu es devant une étape dans ta vie présentement, puis que Dieu dit, fais un step, avance. Ce que je souhaite pour vous, ce que je prie pour vous, pas que vous connaissiez Dieu, oui que vous le connaissiez, mais c'est que vous l'expérimentiez, que vous goûtez Dieu, que vous réalisiez que le prochain step que vous allez faire, qui vous demande un pas de foi, qui vous demande une confiance, que vous allez le faire, et puis que là vous allez voir comment est-ce que Dieu dirige, comment est-ce que Dieu pourvoit. C'est quoi ce pas-là que Dieu te demande ce matin, aujourd'hui? Quelle direction est-ce que Dieu veut te donner? Est-ce que tu crois ce qu'il te dit? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Est-ce que tu le laisses vivre en toi? C'est Christ qui vit en toi. Dépendre de lui. Si on revient au texte, c'est quoi puiser ses forces en Dieu? C'est marcher en lui. Revêtir Christ. Mettre ses souliers, marcher avec lui. Mais il dit aussi, soyez enracinés et fondés et affermi dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée.
Il y a trois mots similaires, ou trois mots qui reflètent une même idée. Enraciné, fondé et affermi. Ça me faisait penser quand que je réfléchissais et je méditais à ce texte-là, à la toune de Lean on Me. À partir de 10 secondes, Karim, est-ce que vous la connaissez? Je vous la chanterai pas. Parallèle du texte de l'auteur, je pense pas qu'il l'ait écrit en pensant nécessairement à Dieu, qui nous invite en disant « Viens t'appuyer sur moi ». Ça a l'air d'être un ami, un frère qui invite un autre ami à dire « Ben, quand t'es faible, quand t'as plus de force, tu sais, ravale ta fierté, ravale ton orgueil, puis viens, tu sais, je vais porter ton fardeau avec toi, puis viens t'appuyer sur moi ». Je trouvais intéressant de penser que c'est l'appel que Dieu nous fait. Quand on n'a plus de force, quand on est fatigué, quand on a besoin de grandir, puis que Dieu il dit « Fortifie-toi, c'est où tu vas? » Enracine-toi en lui. Va t'appuyer sur lui. L'exemple que Jésus nous a donné, viens t'appuyer sur moi. Viens poser ta fondation sur le roc, sur ce que je suis, sur ce que je te fais en toi. Merci, Karim. C'est l'appel que Dieu nous donne de s'enraciner. Jérémie 17, versets 7 et 8 nous dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. C'est la crainte des dieux versus la crainte des hommes. Dieu nous dit, l'homme qui se confie en Dieu, se confier en lui, quand que Dieu nous appelle à s'appuyer sur lui, à s'enraciner sur lui, c'est d'étendre nos racines et dire, Dieu, je te fais confiance. Qu'est-ce qui arrive quand que on étend nos racines comme ça vers Dieu, puis qu'on réalise que notre besoin de tirer de la source pour être fortifié? Il va arriver des périodes de sécheresse, il va arriver des périodes de chaleur, mais nos vies vont continuer de fleurir, vont continuer de porter du fruit, parce qu'on est fondé sur Christ, parce qu'on est enraciné en lui, parce que notre foi est pas en train de s'effriter, affermi dans la foi qui vous a été, telle qu'elle vous a été enseignée. Encore là, au retour de la foi, la façon que tu t'es confié en Jésus-Christ, la façon que tu t'es repenti et t'as dit « Dieu, je m'abandonne à toi ». Encore aujourd'hui, c'est cette attitude où est-ce qu'on renouvelle à chaque jour dire « Dieu, je m'abandonne à toi ». Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Mercredi prochain, dans notre groupe Connexion, Tim nous a dit qu'il nous ferait goûter le café turc. Je ne sais pas c'est quoi, il me l'a présenté, il me l'a expliqué, ça ressemble à quoi, c'est une petite tasse, on dirait quand tu bois ça, c'est tellement fort que tu es speedé pour une semaine. Et puis c'est très sucré, et puis il en parle avec beaucoup de conviction, beaucoup de ferveur, et de toute évidence, il a goûté, là. Et puis il a réussi à me donner son envie de, j'ai hâte de goûter ça, moi ça sent bien quand, c'est mercredi, puis j'ai hâte de voir c'est quoi. Mais c'est un peu le même parallèle avec Dieu. C'est Pierre qui nous dit, ben, si vous avez goûté que Dieu est bon, là, votre façon de goûter Dieu, de marcher avec Dieu, puis de vous enraciner en lui, là, ça va tout prendre son sens. C'est plus que de dire, OK, moi je vis sur la base du fait que j'ai entendu dire que c'est bon, ou que je me souviens à un moment donné dans mes belles époques, des années de gloire de ma vie chrétienne, je me souviens que Corden, c'était bon la marche avec Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu goûtes que Dieu est bon? Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore cette passion où on va s'abreuver de Dieu, où qu'on va s'enraciner en lui, s'appuyer sur lui? C'est ce qui nous conduit à l'obéissance de la foi. Quand que je goûte que Dieu est bon, quand j'expérimente Dieu, plus que de le connaître, je suis en train de lui faire cette place-là, je suis en train de lui laisser accès à ma vie. Et c'est plus une question de règles strictes que je me donne
pour dire, OK, maintenant, la vie chrétienne, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, puis etc. Mais c'est maintenant Dieu qui vit en moi, mais il me conduit pas à pas, et puis je veux dépendre de lui, je veux m'appuyer sur lui, et je suis prêt maintenant à obéir par la foi de ce qu'il m'a dit dans mon cœur. C'est le saut de la foi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que vous avez déjà écouté Indiana Jones? Le saut de la foi, il doit traverser une espèce de grand ravin, et puis là, il dit, je ne serai jamais capable d'aller de l'autre côté. Là, vous allez tous aller louer Indiana Jones cet après-midi. Mais finalement, il dit, OK, c'est le saut de la foi, il ferme ses yeux, puis là, il met son pied en avant, puis pouf, finalement, il tombe sur une espèce de passerelle qui conduit de l'autre côté. Mais c'est un peu cette même idée, où que quand on est appuyé, qu'on est enraciné en Dieu, puis qu'on goûte ce que Dieu est, mais il est en train finalement de nous conduire pas à pas, même si c'est pas toujours intelligent, même si on le voit pas ou on n'en est pas conscient. On va avoir des circonstances de nos vies. Le texte parle de sécheresse. Le texte parle de vents chauds qui vont être difficiles, qui vont être souffrants. On va en avoir des moments difficiles, des circonstances dans nos vies, ou peut-être vous en avez présentement des circonstances dans vos vies où est-ce que ce sera l'occasion à Dieu de se révéler à travers certaines impossibilités. Où est-ce que tu dis, Dieu, je vois pas comment je vais faire, je vois pas c'est quoi qui... comment je vais pouvoir m'en sortir. Je vois pas c'est quoi l'issue. Ta santé est peut-être en train de partir en vrille. Peut-être que ton couple est en train de souffrir. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être que tu as des difficultés au travail avec les relations qui sont là, que tu n'as plus envie d'y aller non plus. Peut-être que tu es fatigué psychologiquement, tu n'es plus capable. Il y a une circonstance qui t'épuise, qui te draine. Tu te sens seul. Peut-être une difficulté financière. Il y a des circonstances de ta vie comme ça qui sont des impossibilités, que c'est la sécheresse. Mais pourquoi la maison qui t'appuie sur le roc ne bouge pas quand le sol semble partir, quand la tempête vient? Pourquoi quand la sécheresse vient, l'arbre porte encore du fruit? C'est parce qu'elle tire ses forces en Dieu, parce qu'il est enraciné, parce qu'elle dépend de Dieu, parce qu'on lui fait confiance. Ces deux exercices qu'on vient de voir, c'est de marcher en lui, de s'appuyer sur lui. Lean on me, que Jésus t'a dit de venir s'appuyer sur lui. Puis le dernier exercice, si on peut revenir au texte, je vais compléter sur ça pour faire venir les musiciens, puis après ça aller avec la dernière conclusion. Puis ta force en Dieu, et ça veut dire quoi? C'est de garder les yeux sur la balle. De garder les yeux sur la balle. Je ne sais pas si vous jouez au golf. Déjà joué au baseball, vous avez joué n'importe quel sport de balle, un coach va souvent donner cet exercice-là ou cette recommandation-là. Garde les yeux sur la balle. Garde le focus. Garde le focus sur la personne de Dieu. Pierre, il avait relié Jésus à trois reprises. Jésus était ressuscité, puis il est venu voir Pierre, et puis Pierre était dans la honte. Il était découragé de lui-même, il était attristé de lui-même de ce qu'il avait renié Jésus. Et puis, Jésus lui dit, Pierre, suis-moi. Suis-moi. Puis là, et à trois reprises, il l'a invité à le suivre. Et puis, à un moment donné, il y avait un autre apôtre qui semblait, qui est Jean. Et puis, Pierre, il a dit à Jésus, hey, Jésus, lui, le Jean, il va se passer quoi avec lui plus tard? Puis, Jésus a dit, Pierre, c'est pas de tes affaires. Toi, là, garde les yeux fixés sur moi, puis suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Hébreux 12, les versets 1 à 2, il dit, je pense qu'on a le texte ici. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Est-ce que vous venez de voir c'est quoi l'attitude que Dieu nous dit? Gardez-le, faites avancer dans cette carrière qui vous est ouverte, dans cette épreuve dans laquelle vous êtes en train de courir, vous êtes en train de marcher, vous êtes en train d'avancer. Mais gardez les yeux sur Jésus. Gardez les yeux sur la balle. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. C'est l'idée de garder le focus. Peux-tu revenir, s'il te plaît, Karim, dans Colossiens? Je vais inviter les musiciens à s'avancer aussi, s'il te plaît. Regardez le verset 7. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée,
ce qu'on a vu. Mais il va compléter en disant, mais soyez-en riches, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Exprimer notre reconnaissance à Dieu. Tantôt, je disais que Dieu nous invite à fortifie-toi et prends courage. Maintenant, ça se fait comment sur ce plancher des vaches? Prends le courage. Est-ce quelqu'un qui a vu courage? Il est où? Il se cache où? Il me semble qu'on a de la misère à le trouver, ce gars-là. Courage. Dieu nous dit, ben, prends courage et fortifie-toi. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le mot encourager ou décourager, il y a le mot courage à l'intérieur de ça? Comment est-ce que vous allez trouver du courage? Comment vous allez retrouver le courage maintenant dans votre marche avec Dieu, vos forces avec Dieu? Mais vous avez besoin d'être encouragé. Quand que Dieu nous dit, soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Savez-vous, c'est quoi une des réactions premières qu'on a quand ça va pas, quand les circonstances vont mal? Chialer. Quand la météo va pas, qu'est-ce qu'on fait, nous, les Québécois? On chiale. Comme les Français disent, râler. On critique. Puis on est en train de se décourager. En train de perdre courage. Quand Dieu nous dit, dites merci. En toutes circonstances. Hey, c'est bien long, ça. Quand Dieu dit, ben, dis merci. Rends grâce. C'est premièrement, certainement, parce que on veut le remercier. Évidemment, c'est pour ça qu'on veut le remercier. Mais savez-vous qu'est-ce que ça fait quand on dit merci Dieu? C'est qu'on est en train de prendre le temps de regarder les circonstances et de constater que Dieu est encore présent, que Dieu est encore à l'œuvre, que Dieu est en train de faire une œuvre qui est vivante et qui est vraie. Dieu est en train de faire une œuvre qui est vivante, qui est vraie. Dieu nous dit, garde le focus sur moi. Puis quand tu rends grâce, ça va t'encourager. Tu vas trouver le courage. Parce que tu vas voir que je ne t'ai pas abandonné. Fortifie-toi, prends courage. Rends grâce en toutes circonstances, même quand les circonstances sont difficiles. Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de transformer ta vie. Dans tes impossibilités, quand le vent souffle, quand il fait chaud, appuie-toi sur lui. Marche avec Dieu. Sois vigilant. Ne pas te faire prendre au piège non plus de quelque chose qui va te donner une illusion pendant un temps de pouvoir être fort, de pouvoir être en santé et qui finalement va détruire ta santé. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Je vais revenir tantôt sur les derniers versets du passage. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux. Justement compris, je veux simplement diriger nos pensées. Prenez le temps de réfléchir avec Dieu. Et laissez l'Esprit vous parler. Soucie-toi pas de ton voisin. Dieu t'appelle à marcher par la foi et non par la vue. Dieu te dit, viens t'appuyer sur moi. Je veux que tu dépendes de moi totalement. Laisse-moi le contrôle. C'est quand on est faible qu'on est fort. Parce que Dieu grandit. Parce qu'on diminue. Christ est ta vie. Il t'appelle de marcher de progrès en progrès. Quel domaine est-ce que tu refuses peut-être de souffrir? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à lui redonner? Quelle chose est-ce que tu as arrêté de vivre? La bonne nouvelle de Christ.
tu as besoin de dépendre encore à chaque jour de sa grâce, de sa miséricorde. Est-ce que tu as repris certains aspects de ta vie en main? Dieu, on t'abandonne nos vies en tes mains. Tu es un maître merveilleux et fantastique. Et on manque de rien en toi. Renouvelle en nous, Dieu, ce souvenir et cette marche avec toi, comme au moment où on t'a reçu, où on t'a accueilli. Tu nous aimes, Dieu, aujourd'hui encore. Rien de ce que j'ai fait, Dieu, a altéré ton amour pour moi. Tu m'as pardonné, tu m'as justifié, Dieu, tu m'as transformé. On te célèbre aujourd'hui parce que tu es le Dieu de la transformation, le Dieu qui nous invite à puiser nos forces en toi. Tu marches avec nous, en nous. On peut à tout instant s'appuyer sur toi, Dieu, et en gardant les yeux focusés sur toi, tu renouvelles nos forces, tu renouvelles notre foi, notre dépendance en toi. Dieu, devant toi, on rouvre les mains et ce qu'on a repris en main. Ce que j'ose pas t'abandonner, Dieu, maintenant, je te le redonne. Aide-moi, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Fortifie mes pas. Là où je veux pas avancer, Dieu, j'ai peur. Et je t'aime, puis je sais que tu veux que ça soit changé. Aide-moi, s'il te plaît. Suscite en moi la foi. Je me lance. Te suivre. Ta direction. Dieu, fortifie-moi. Redonne-moi tes forces. Parce que je marche avec toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Je m'appuie sur toi. J'ai besoin, Dieu, que tu renouvelles mes forces, que tu me donnes ton repos. Sois glorifié, Père. Sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Esprit Saint. Toi qui nous parles, qui nous transforme, qui nous conduit dans la vérité. Amen.